qui est vraiment le travail de cavalier, mais qui n'est pas aussi évident que ça à atteindre, et bien ça me bouleverse. On voit même des chevaux chez Maurice Bernard, qui les a beaucoup aimés. Charlotte. Bah oui, c'est un film qui ne ressemble à rien d'autre qu'à un film d'Alain Cavalier. Il est quand même le seul pour filmer de cette façon-là. Et trois hommes qui, par ailleurs, n'ont rien en commun, si ce n'est une longue amitié, et ce n'est pas une amitié récente. Et ce qu'on trouve très beau, c'est cette longue amitié que Cavalier a avec eux, mais pas entre eux. Absolument. Et que ce soit sans nostalgie, sans mélancolie, ils sont vraiment. Il y a le bonheur d'être toujours là, l'un face à l'autre, dans le présent. Et Cavalier les regarde avec énormément de douceur, de bienveillance. Ces trois hommes qui ont en plus des profils très très différents, parce qu'on passe de l'artiste un peu rock bohème au bourgeois très aisé intello, et Thierry qui est coursier, qui vit plus modestement en banlieue. Donc des profils très très différents. Contéstame con esmero, ¿qué tienes en la chistera para la tercera hora? Contéstame sin demora, que el que espera desespera. Doctor Soul, en esta cabina especial, pues tengo buenas noticias sobre un programa especial. Las ondas sonoras de WOMA, Festival de Músicas del Mundo, esto pronto nos harán brillar